Ce qu'on peut dire, c'est que les choses sont en train de prendre de l'ampleur. Les choses sont en train de prendre de l'ampleur et donc au niveau de la crypto-monnaie. Alors, beaucoup de pays sont en train de s'intéresser à la crypto-monnaie. L'Angleterre est très favorable à la crypto-monnaie. Comment on appelle la Suisse est favorable à la crypto-monnaie. Alors, même ceux qui sont venus au Salvador dernièrement, alors il y avait deux personnes parmi cette délégation qui avaient fait déjà le déplacement au Salvador. Alors, ce sont ces personnes-là qui sont venues, comment on appelle, en RCA, en République centrafricaine, ils étaient parmi la délégation qui est venue, les experts qui sont venus. Tout ça, c'est pour dire que la crypto-monnaie est en train d'avancer. Une autre information dont j'ai voulu aussi en parler, en fait, je voulais qu'on échange un peu sur la différence quelqu'un qui se forme et quelqu'un qui n'est pas formé. Quelqu'un qui n'est pas formé, c'est quelqu'un qui se promène sur les différents YouTube et même les différents posts, articles sur Internet. Alors, il peut être pris par ce qu'on appelle le FOMO. C'est-à-dire, une fausse rumeur peut avoir raison de lui et il peut prendre de mauvaises décisions. Alors, la preuve déjà, la vidéo qu'on a vue sur le, comment on appelle, le Shiba, c'est-à-dire le fait que comment on appelle, le fondateur de Shiba a supprimé tous ses blocs. Alors, ça a créé ce vent de panique. Et ce vent de panique-là, heureusement que nous avons, c'est-à-dire réagi immédiatement parce que beaucoup de YouTubeurs avaient fait des vidéos alarmistes. Alors, ces vidéos alarmistes, sans donner des informations aux gens, actuellement, ils sont déjà passés à autre chose. Eux sont en train de parler d'autres sujets. En temps, beaucoup de novices étaient prêts à vendre, comment on appelle, étaient prêts à vendre leur Shiba. Beaucoup ont fait dans le commentaire. D'autres même ont écrit, comment on appelle, sur WhatsApp, je vais vous montrer ici en même temps, comment on appelle, quelques commentaires de personnes qui étaient prêtes à vendre leur Shiba. C'est pour dire ici que nous donnons des informations très utiles et que ça sauve des vies. Parce que vendre tes Shiba aujourd'hui, c'est comme si tu avais des bitcoins en 2009. Avec, comment on appelle, le bitcoin qui coûtait 0,02 euros après la virgule 1 en 2009. Est-ce que vous comprenez? Avec 10 dollars seulement, tu pourrais avoir 20 000 pièces de bitcoin. Vous comprenez que le bitcoin ne coûtait absolument rien. Alors, quelqu'un à cette période qui ne pouvait pas utiliser le bitcoin pour faire ce qu'il veut avec, il voyait ça comme connerie. De sorte que. Et je vous ai déjà parlé, c'est celui qui allait maintenant donner, à dire à quelqu'un, celui qui peut venir me donner 10 000 bits, 10 000, comment on a, celui qui peut m'envoyer deux pizzas, alors je suis prêt à lui donner 10 000 bitcoins. Et un individu s'est levé pour dire, moi je peux t'envoyer deux pizzas. Alors il a envoyé deux pizzas et puis on lui a donné 10 000 bitcoins. 10 000 bitcoins aujourd'hui, ça fait combien d'argent? Alors c'était la première transaction qui a eu lieu en bitcoin parce que personne ne savait ce qu'ils allaient faire avec le bitcoin. Vous comprenez comment le Bitcoin a traîné les pas avant d'être connu. Donc, si aujourd'hui on a cette chance de connaître le Shiba, même la chance même que vous avez encore, vous ne savez même pas que c'est une chance. Et c'est là que nous on intervient. Parce que être un analyste, avoir le flair des choses, ce n'est pas évident. On n'a pas de boule de cristal comme quelqu'un qui fait les commentaires comment on appelle, qui a fait un commentaire quelque part là-bas pour dire que voilà. Nous présentons des pièces et Dogecoin nous a échappé. On aurait dû connaître d'autres pièces. Oui, effectivement, c'est l'objectif de tout le monde. Mais il y a plus de 19 000 crypto-monnaies qui existent. Tu penses que je peux connaître toutes ces crypto-monnaies? Toi-même, tu as la possibilité de connaître toutes ces crypto-monnaies. Alors, donc, tu sais que quand on analyse les projets, c'est sûr qu'on a eu écho de ça. Si vous partez regarder sur les plateformes de cotation, vous vous rendrez compte que chaque jour, il y a des crypto-monnaies qui sortent. Chaque jour. Au moins, c'est une centaine sur CoinMarketCap. C'est une centaine sur CoinGecko qui sortent. J'ai fait exprès même de montrer ça une fois dans une formation à quelqu'un. Et la personne dit, mais ça, c'est intéressant. Chaque jour, je vais venir regarder, prendre des projets. Il dit, il faut aller. Il a fait ça pendant 2 semaines. Il est revenu. Il dit, quoi, ah, cette affaire-là. J'ai regardé ce projet-là, je le trouve intéressant. J'ai regardé ça là encore, je le trouve intéressant. J'ai pris 500 dollars, c'est fini en un temps record. Il dit, mais c'est comme ça. D'abord, même les projets que tu penses que tu trouves intéressants, tu vas finir de mettre tes 500 dollars dedans. Tu vas mettre ce que certains font, 10 dollars ici, 10 dollars ici, 10 dollars ici. Surtout, oh, parmi tout ça, il peut y avoir un seul projet qui est bon. Alors, ce seul projet-là, au lieu d'optimiser ce projet, tu n'optimises pas parce que tu veux être partout. Oh, donc, tes 10 dollars que tu as, mais ça ne va rien donner quelque part là-bas.
Alors peut-être qu'à ce projet-là, il fallait mettre 100 dollars ou 200 dollars pour que ce projet-là, sur un moyen terme, puisse te donner quelque chose. Mais puisque tu n'as pas gros moyens, alors tu vas ponctionner, consommer, mettre un pied un peu partout. Et donc tout ça, juste pour dire qu'il y a toujours de nouvelles cryptos, les 19 000 qui sont là, ce n'est pas fixe. Il y a 3 mois de cela, on était à 16 000, 17 000. Actuellement, on est à 19 000 cryptos, mais on va avec 20 000 cryptos, mon ami. Alors, si tout ça, vous demandez à ce qu'on puisse maîtriser tout ça, alors ce n'est pas possible. Même les top 100, tu ne peux pas tout maîtriser. Tu ne peux pas tout connaître. Et même si tu connais, tu ne peux pas tout maîtriser pour savoir celui qui va exploser. Mais on a une chance. Le Shiba nous a donné, comment on appelle, la possibilité de connaître ce qu'on appelle une pépite. Alors, l'expérience du Shiba, c'est une expérience d'école. Ça n'avait jamais existé d'abord. C'est pourquoi j'ai fait une vidéo dessus, allez regarder cette vidéo. Le Shiba, c'est un signe noir. Ce sont ces genres de crypto-monnaies qui se produisent que chaque 10 ans. Alors, le Bitcoin, c'était la même chose. Et donc, le Shiba, c'est la même chose que je suis en train de dire aujourd'hui. Mais pourquoi tu puisses même savoir ça? Ce n'est pas permis à tout le monde de pouvoir détecter ça aussi. Si tu n'as pas l'expérience, c'est pourquoi il dit l'expérience enseigne. Si tu n'as pas l'expérience, tu ne peux pas détecter. Alors, moi-même, qui suis sur le marché depuis, alors je n'avais même pas détecté le Shiba parce qu'il n'était pas dans mon cercle d'influence. Il n'était pas dans mon cercle d'influence. Toutes les personnes qui étaient autour de moi, personne n'a entendu parler du Shiba. Alors, j'étais tous sur Telegram, sur partout, mais ils n'ont pas entendu parler du Shiba. C'est pas évident. C'est le Shiba qui a réveillé, en fait, la masse. Toutes les personnes, tout le monde est devenu à l'aise. C'est ce qui fait que les gens remplissent leur trust wallet de n'importe quoi aujourd'hui parce qu'ils pensent que ça va tomber sur le projet Shiba. C'est faux. Alors, la bonne chose à faire, quand tu as détecté le Shiba aujourd'hui comme la pépite, il ne faut pas t'embrouiller. Si tu n'as pas assez d'argent, reste sur lui là seulement. Tu vas comprendre ce qui va se passer. Mais comme tu es pessimiste et que tu achètes la rumeur, ce n'est pas la pièce que tu achètes, c'est la rumeur que tu achètes. Quand on va te dire tout de suite, là, il va monter là, tu as couru pour aller acheter, ce n'est pas le moment. C'est le moment là d'acheter là qu'elle a là. Alors tu ne sais même pas que c'est une pépite qui est dans ta main. C'est dans 5 ans que tu vas te rendre compte que ce que tu pourrais payer là, ce n'est pas ce que tu as actuellement. Alors pour détecter ça là, c'est la formation qui permet de faire ça. Alors pour répondre à cette personne, pour dire qu'on ne peut pas tout connaître, mais ce qu'on connaît là, on maîtrise de A à Z. Tu me réveilles le matin tout de suite là. Tu me dis quel projet de crypto-monnaie je peux investir dessus actuellement. Je vais te donner avec les détails et ce qu'il faut. Pourquoi ça? Tu vas rentrer en transe. Je n'ai même pas encore fini de t'expliquer ce qu'il faut et tu vas rentrer en transe pour aller. Pourquoi? Parce que tu es sûr que ce que je suis en train de te dire, il n'y a rien à faire dessus. C'est propre. Quand tu connais quelque chose, il faut connaître. Quand tu ne connais pas aussi, tu ne connais pas. Alors, il ne faut pas prétendre aussi tout connaître. Je ne prétends pas tout connaître. Mais ce que je connais, là, je maîtrise. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, ce que j'ai maîtrisé aujourd'hui, je n'ai pas maîtrisé hier Dogecoin parce que je n'avais pas cette possibilité-là. Je n'avais pas la formation. C'est la formation qui est claire. On dit, mon peuple meurt par manque de connaissances. Je n'avais pas la formation. Alors, si j'ai raté l'opportunité du Dogecoin et que je n'ai pas eu l'opportunité, je n'ai pas eu aussi la chance, parce que c'est ça, c'est une chance de tomber sur une autre pépite, alors que Dieu m'ouvre la possibilité de connaître le Shiba, les Baby Doge et tout ça, tu penses qu'il va venir avec le dos de la cuillère pour venir prendre? Je suis désolé. Alors quand je viens me positionner là, ceux qui sont avec moi, là, qui sont prêts à aller au front, là, je leur dis, moi je me suis positionné, je viens avec Caliban, je viens avec Caterpillar pour prendre. Toi tu fais quoi? Tu vas aller te promener, va te promener. C'est que les gens vont te dire là-bas là. Et quand toi-même, tu vas leur poser des questions, ils ne peuvent même pas te répondre. Ils vont dire, ah, c'est ce qu'on a vu aussi quelque part. C'est pourquoi il dit 3 fois ignorant. 3 fois ignorant. Combien de YouTubeurs ont fait des vidéos sur le Shiba dans une telle période s'ils ne sont pas allés prendre les informations à la mise pour venir balancer aux gens? Pour laisser les gens aller vendre les biens. C'est-à-dire que c'est une réserve de valeur qui est dans ta main. Tu n'es pas au courant, c'est en train de venir devant toi. Quand il va devenir comme Dogecoin demain, tu vas te dire non, ce coach-là, c'est un visionnaire. Je suis pas. C'est-à-dire que visionnaire, là, toi-même, tu peux devenir aussi visionnaire. Pourquoi? Parce que tu refuses de te projeter. Tu es quelqu'un de la cueillette, tu veux manger tout de suite. Là, tout ce qu'on. En même temps, dès que tu payes une crypto-monnaie, ça n'a qu'à monter comme Gary. Ça ne montera pas comme Gary. Tu as raté le train, non? Donc, moi, je suis prêt à attendre le prochain tour, là, ça ne va pas me rater. On dit, c'est-à-dire que celui qui ne tire pas les sons de son passé, celui qui ne dit pas les leçons de son passé, c'est lui qui est condamné à le répéter sans cesse. Alors vous autres qui n'avez pas la formation,
qui êtes là à vous promener, à faire des commentaires, alors vous allez répéter les mêmes choses parce que vous n'avez pas tiré le son. Moi, j'ai tiré le son et je suis conscient qu'il a tiré le son du Dodge. Du Dodge Coin. Mais Dodge Coin, quand le Dodge Coin atteint 0,01, j'ai raté 33 millions. Parce que 33 millions de francs CFA, j'ai raté. Pourquoi? Parce que je n'avais pas la formation. Moi, aujourd'hui, personne ne peut m'embrouiller avec le Shiba. Personne ne peut m'embrouiller avec Raka. Pourquoi? Parce que je sais. Il ne s'agit pas de dire que quelqu'un m'a dit. Non, c'est moi-même, j'ai étudié, je sais. Est-ce que tu comprends? Donc, tu ne peux pas m'embrouiller. Peu importe ce que tu as venu me dire. Tu as venu me dire, j'ai écrit tel article. On dit, ça, ce n'est pas mon problème. Qu'est-ce que le projet lui-même me dit? Qu'est-ce qu'il me montre? C'est ce qu'il me montre là. C'est ce qu'il regarde. C'est les faits qui me parlent. Moi, je suis dans l'ordre scientifique maintenant des choses. Et je sais ce qu'on appelle une stratégie d'entrée, une stratégie de sortie. Je sais comment on appelle une analyse fondamentale, une analyse, comment on appelle, technique d'une monnaie. Alors, je vais en profondeur, même plus loin, même que c'est un trader. C'est ce que tu ne sais pas. C'est pourquoi les traders, il y a des traders même qui viennent vers moi pour venir s'enquérir des informations. Il y a des traders qui ont raté le chiffre. Sinon, si quelqu'un devait devenir multimilliardaire, ce sont les traders. Mais ils n'ont pas vu le Shiba venir parce qu'ils étaient là en train de faire les RSI. Quoi. Ça ne peut pas, ça ne prend pas. Le Shiba même il dribble les gens comme Bitcoin, il dribble les gens. C'est la même chose que le Shiba fait. Alors, juste pour répondre à cette personne, pour dire qu'on n'a pas de boule de cristal, mais c'est la formation aujourd'hui qui est notre outil. C'est ça qui est notre lumière. Est-ce que vous voyez? Alors, c'est en 2025 qu'on va faire le point ici. Et je sais que d'ici là, beaucoup vont perdre le Shiba. Je sais que d'ici là, les Dogecoin, les Baby Doge, les Raka, là, ce serait de l'histoire ancienne. Alors, quand tu vas venir à cette période, dis à quelqu'un, j'ai 100 millions de Shiba, il va te dire, tu dis que tu as combien de Shiba? Il dit, j'ai 100 millions de Shiba. À cette période-là, il serait étonné parce que le Shiba va tellement faire des exploits d'ici là qu'ils auront déjà tout vendu. Ils auront déjà tout vendu. Ou d'autres vont... C'est-à-dire qu'il y a tellement de situations qui vont se passer. Parce qu'eux, ils n'ont pas une stratégie d'entrée, ils n'ont aucune stratégie de sortie. Donc, c'est que c'est quand ça a monté. C'est tout. Et la plupart sont là dans ça. D'autres même vont vendre pour aller payer d'autres projets qu'on leur a dit que c'est bon. C'est tout. Alors, ce sont ces genres d'erreurs-là que nous, on ne fera plus jamais. Plus jamais. C'est fini, ça. Parce qu'aujourd'hui, l'expérience d'hier là, nous a enseigné aujourd'hui. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de crypto-monnaie pépite. Qu'on pourra découvrir en chemin. C'est possible. On est sur le marché, c'est possible. Toi-même, tu peux m'envoyer une crypto-monnaie pour analyser. Tu peux m'envoyer une crypto-monnaie pour analyser. Si j'analyse que c'est bon, je présente et je teste, c'est tout. C'est comme ça j'ai reçu Shiba Army. Shiba Army, je l'ai reçu d'un ami au Cameroun que je salue au passage. Mais j'ai reçu 10 contrats ensemble. 10 contrats de 10 monnaies. Alors, vous savez combien de temps il prend pour étudier une monnaie? Est-ce que vous savez ça? Mais j'ai étudié là, dans les 10, là, c'est Shiba Ami seulement qui était viable dedans. Mais lui, il a investi dans tout. Moi, j'ai investi que sur Shiba Ami et je l'ai étudié pendant plus de 3 mois. Avant de venir vous présenter. Et j'ai fait des gains dessus. Pas seulement en tant que holder, j'ai fait des gains dessus. Ça aussi, je te donne aussi comme information. Alors, les secrets qui sont encore derrière ça là, même lui qui m'a envoyé le contrat, il ne savait pas. Et c'est moi-même qui l'appelle pour dire, ah, ce que tu m'as envoyé dans tout ce que tu m'as envoyé là, voilà ce qui est bon dedans. Voilà ce que tu peux prendre. Est-ce que tu sais qu'il y a réflexion derrière? Est-ce que tu sais comment on prend réflexion là-bas? Il dit, il ne sait pas. Il dit, bon, tu sais que c'est que depuis que tu as payé, le jour que tu as payé jusqu'à aujourd'hui, là, tes réflexions, ils ont gardé pour toi là-bas. Tes Shiba BP20 que tu dois recevoir, ils ont gardé pour toi. Il faut aller, tu vas récupérer. Il dit, en bon, il dit, ils ont gardé pour toi. Faut aller. Oh, c'est lui qui m'a envoyé le contrat. Alors il est allé, et je lui ai montré la méthodologie. Et il a récupéré, il dit non, coach, c'est pas possible, tu es hors pair. Il dit non, c'est pas une question de. Je vais en profondeur dans les choses, les gens restent en surface. Non, moi je reste pas en surface. Je suis un fonceur. Et quand je fonce, je prends tous les garde-fous hein, parce que hier, c'est ce que j'avais pas. Alors la formation m'a tellement éclairé aujourd'hui que je suis un homme très, très averti. S'il y a un mot qui dépasse averti là, ici dedans. Voilà ce que je pouvais répondre à cette personne là qui a fait ce commentaire là. Voilà, alors c'est en 2025 qu'on va faire le point ici. Quand tu as venu déclarer tes biens, voilà la quantité de Shiba que j'ai, voilà la quantité de Baby Doge que j'ai là. Et quand il est déclaré pour moi là, tu vas tomber en syncope. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que tu vois? Parce que moi, je ne fais pas ça pour faire ça. Je fais ça parce que je sais. Celui qui sait, et puis celui qui fait comme ça là, on n'est pas même chose. Hein? On n'est pas du tout même chose. Alors, pour que ceux qui sont avec moi ici sachent, alors, je fais ce décryptage comme ce que j'ai fait. Pendant qu'on les alarmait là-bas, je leur ai dit, sécurisez-vous. Vous êtes dans une bonne affaire, sécurisez-vous.
Alors, voici les informations que vous ne savez pas en arrière-plan. Alors, je leur donne ces informations. Le baby doll que je suis venu faire, cette chronologie, où la vidéo a duré près de plus d'une trentaine de minutes, c'était important pour que les gens se rendent compte qu'ils sont dans une bonne affaire. Parce que pêle-mêle, quand tu as une information, tu ne sais pas que les gens sont en train de travailler. Mais si on te renie tout ça pour dire, voilà tout ce qu'ils ont fait en un an. Toi, tu es sûr que toi-même, tu peux faire ça en un an. Tu connais combien de crypto-monnaies dont on te parle partout là. Tu peux faire ce genre de choses en un an. Tu peux réunir toutes ces capacités-là en un an. Alors, celui qui arrive à le faire, on dit, on aide un enfant qui soulève les mains. On aide un enfant. Donc, celui qui soulève les mains, nous aussi, on l'aide aussi. Donc, parmi les crypto-monnaies, ceux qui ont soulevé les mains, c'est eux-là qu'on a... Le Shiba est premier, Baby Doge, les Raka, ils ont soulevé la main. On va les aider. C'est tout. C'est un risque aussi que nous, on prend aussi. Mais c'est un risque mesuré. Mesuré pourquoi? Par rapport à la connaissance. Pas un risque spéculatif, pas un risque qui est basé sur le FOMO. C'est-à-dire que les rumeurs, vous se promenez, vous promenez pour prendre les rumeurs partout, prendre tel YouTubeur a dit ça. Il y a un YouTubeur qui a dit ça, là, c'est un dieu. Mais il se base sur quelles données scientifiques, il se base sur quels faits. Moi, je parle là, ça est les faits. Je te montre même les faits pendant les vidéos. Tu veux contester, il faut aller contester ça là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi je mets les faits. Quand il y a un truc, je mets en même temps. Tu prends ça, il faut aller discuter avec ça. Et puis mes informations, là, tu peux aller les vérifier. Voilà. Je ne suis pas là pour suivre les rumeurs. Parce qu'il y a des gens là, dès qu'on dit tel crypto a lâché là, il va prendre venir faire vidéo. Tel crypto a lâché, va venir. Vous ne pouvez pas comprendre qu'on ne suit même pas tout le monde. Moi, il y a des youtubeurs là, je ne les suis même pas. Je ne les suis pas parce que c'est des. Si on pouvait sélectionner des gens pour les enlever là. Parce que ceux-là, c'est les pollueurs. Et là, c'est les chercheurs de vues. Nous, on n'est pas chercheurs de vues. Si vous voulez avoir 100 000 vues là, je sais la stratégie. Et j'ai fait formation de ça aussi. Tu sais pas où. Je sais la stratégie qu'il faut pour faire ça. Mais si j'essaie de faire ça, c'est fini. Vous n'allez plus avoir la. C'est-à-dire que cette motivation qui fait que tu te réveilles et puis tu es serein matin à Shiba, là. Cette motivation qui fait que tu es serein un baby doll, là. Tu es prêt à aller qu'à 2025, là. Tu ne vas plus avoir cette motivation parce que ça serait une vidéo très plate comme pour certains. Aucune motivation, sans engagement. Moi, je suis un homme engagé et averti. Et d'autres ne sont pas des gens engagés. Ce sont des suiveurs, ce sont des relateurs, c'est tout. Mais ils ne sont pas des gens engagés. C'est différent, hein. Donc voilà pourquoi mes vidéos là, je prends tout mon temps. Parce que j'aurais aimé que quelqu'un me parle de cette façon là. Est-ce que vous voyez? Donc, là sont les youtubeurs que je respecte. Ceux que je respecte là, je le connais. Quand je tombe sur la vidéo, je dis voilà quelqu'un qui a de la quintessence, voilà quelqu'un qui donne quelque chose d'important. Il faut être engagé dans ce que tu fais. Voilà ce que je pourrais vous dire aujourd'hui sur, les crypto-monnaies. Voilà, j'ai fait cette lucarne là pour intéresser ceux qui font souvent des commentaires, mais ils ne se rendent pas compte que souvent ils disent des choses qui ne sont pas intéressantes. Il est important qu'on les essaie un peu pour leur dire c'est bon. Il est bon de donner son avis, mais quand on en public certains avis là, tu rentres en inbox et puis si tu as envie de partager, tu vas partager là-bas. Là, on va t'éclairer. Mais si tu viens laver en public, c'est en public aussi, on va te laver. C'est de ça qu'il s'agit. Ok, donc pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, c'est tous les jours que nous faisons ces formations en ligne. Et ces formations en ligne, c'est tous les jours que nous les faisons. Alors, entrez en contact avec moi pour ceux qui veulent faire les formations en ligne. Voilà, c'est tous les jours. Voilà, pour la formation au niveau d'Abidjan pour la 4e édition. Alors, la 4e édition, c'est très bientôt aussi. Voilà, on va donner encore d'autres informations là-bas. Voilà, le projet Bala, on avait présenté. À la formation là-bas, avant de vous envoyer ça ici, on avait déjà présenté ça à la formation là-bas. Alors ceux qui ont vu à la formation, ils se sont déjà positionnés. Quand vous êtes venus payer ça, déjà eux-mêmes, leur argent est déjà monté. Alors c'est quand tu viens faire la formation que tu reçois. Il y a plein de pépites qu'on a, je ne présente pas ça ici. Oui, c'est ça. Il faut que ceux qui viennent se former soient des privilégiés. Shiba Ami, là, c'est la même chose aussi. Ils ont profité de ça longtemps d'abord. Longtemps d'abord avant qu'ils viennent présenter. C'est de ça qu'il s'agit. Et il y en a plein comme ça aussi. Voilà, pendant que moi, je prends mon temps pour aller étudier. Là. Tu peux aller aussi étudier les projets aussi. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. La formation au niveau du Burkina, c'est toujours avec le grand leader Dieudonné. Voilà, que vous devez interagir pour les différentes inscriptions. La formation au niveau d'Abengourou, c'est avec le grand leader qu'on appelle Yapi, que vous devez interagir. La formation au niveau du Grand Ouest, c'est toujours avec le grand leader Nyawa. Et cette formation aura lieu en août prochain.
Voilà, inscrivez-vous avec le grand leader Nyawa, voilà, pour profiter de cette formation. La formation au niveau de San Pedro, c'est très bientôt, voilà, le 9 au 10. Alors, c'est avec le grand leader TB Joseph que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Voilà, donc, voilà, soyez à San Pedro. Alors, nous allons partir interagir là-bas pour prendre aussi d'autres informations qui sont en arrière-plan. Ici, là, c'est les extraits qu'on donne, extraits de films, quoi. C'est extraits de films qu'on donne. Le reste du film, là, il faut venir à la formation pour connaître ça. Voilà, la formation au niveau, comment on appelle, de la RDC, c'est avec le grand leader Faustin. Voilà, que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de Daoukro, c'est toujours avec le grand leader Yaya que vous devez interagir. Et la formation au niveau de Korogo, c'est toujours avec le grand leader Djedje que vous devez interagir. La formation au niveau, comment on appelle, du Togo, c'est avec le grand leader qu'on appelle Abraham que vous devez interagir. Et la formation au niveau du Sénégal, c'est avec le grand leader Mama. Voilà un peu, nous avons donné toutes les informations concernant le Saitama, concernant un peu ce qu'on doit faire, voilà, quand on est devant une crypto-monnaie, voilà, il faut pouvoir être des gens engagés et des gens responsables, aussi faire vos propres recherches, comparer les informations avant de prendre les décisions, et c'est ça qui est important. Quand vous avez la formation, quand les gens parlent, tu peux parler aussi, et tu te bases sur des faits aussi pour parler, et c'est ce qui est important. Parce que si tu suis le marché, alors tu risques de laisser des plumes là-bas. Voilà, parce que le marché est volatile. Le marché a ses humeurs. Alors si tu suis les... C'est comme, excusez-moi, mais c'est comme les femmes. Souvent, il y a des sauts d'humeur. Le marché aussi a des sauts d'humeur. Voilà, donc si tu suis les sauts d'humeur du marché, mon frère, mais elle finit de faire, mais tu viens de me dire, pourquoi tu as fait ça? C'est moi, mais souvent, ça me prend comme ça. Donc c'est comme ça aussi, le marché aussi, ça le prend pour créer des sauts d'humeur. Si tu suis les sauts d'humeur du marché, mon frère, tu vas te faire avoir et tu vas dire que mais ça, tous ces crypto-monnaies-là, ça ne donne pas quelque chose. C'est toi qui ne sais pas à quel moment réagir et comment prendre les choses avec froideur et comment réagir aussi. Voilà. Au moment où tu dois être agressif, ça, c'est au moment-là arrive. Mais au moment-là, on est soft. On est soft. Ici, là, à l'air, là, nous, on n'est même pas pressé. On est content même quand c'est comme ça. Parce que nous, on ramasse vraiment. Tous les jours, on ramasse des pépites-là. On les ramasse et puis on les garde. C'est comme ça. C'est une très bonne période pour nous actuellement. Pendant que d'autres sont en pleurs, nous, c'est une très bonne période pour nous. Vous voyez comme c'est bizarre, non? Voilà, c'est bizarre parce que nous, on a la connaissance. Et cette connaissance, c'est grâce à cette connaissance qu'on peut faire ça. Pendant que toi, tu pleures. Voilà. Et donc, pour ceux qui pensent que la formation coûte cher, essayez l'ignorance. À la prochaine.